ce stade, je dirais la chose, c'est Lilay, qui a joué un rôle formidable pour le sujet actuel. Et bien écoutez, ce que j'ai besoin, c'est que pour le malade, un enfant, assurer la circulation et la respiration autrement. Alors pourquoi je ne prends pas le papa pour faire ça? Donc alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'enfant qui est ici, il a enlevé le sang de l'enfant, le sang qu'il est veineux, il l'a envoyé dans la veine du papa. Donc, il est arrivé à ses poumons, papa respirait, et ce sang était oxygéné. Et il reprenait le sang du papa, une fois oxygéné, et il l'a injecté chez l'enfant. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ou pas? Oui. C'est ce qu'on appelle la circulation croisée. Avec une circulation croisée. Et avec ça, il a commencé à fermer les premières malformations cardiaques. Et vous voyez que le premier a été fait en 1954, et il a programmé 45 malades consécutives entre 54 et 55. Ceci dit, il faut une disproportion entre le père et l'enfant, et, donc c'est pas encore très pratique. Mais on a commencé à ouvrir le cœur et à aller travailler à la tête. Alors on arrive à M. Gibault. On avait parlé tout à l'heure, comme vous rappelez avec cette groupe. Gibault, il a compris très rapidement dans les années 30 que la seule solution, c'est d'avoir une circulation extracorporelle. On venait d'arriver les groupes sanguins, les tarines, protamines. Il disait donc que c'est une question de mécanique. Et il a mis 20 ans de sa vie pour fabriquer une machine extraordinaire, mais qui était tellement compliqué que c'était lui seul qui était capable de s'en servir. Et c'est comme ça que pour la première fois au monde, en 1953, un trou à l'intérieur du cœur a pu être fermé en utilisant cette machine. Donc, c'était la naissance de la chirurgie à cœur. Et nous voilà revenus en Lilay, qui était à Minneapolis. Mais lui, il était un chirurgien rustique. D'ailleurs, il suffit de regarder ces photos, vous voyez, c'est pas normal. Vous voyez la différence entre Gibault. Je reviens en arrière, vous voyez. Vous voyez Gibault, c'est un homme raffiné. Et vous voyez Lilay, c'est un russe. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, ça ne va pas, c'est trop compliqué. Pour opérer les gens, il faut que ça aille vite et tout. Il est allé chercher quelques tuyaux d'arrosage dans un supermarché et tout. Et avec ça, il a apporté une petite machine. Et il a commencé à opérer. Mais étant donné qu'il était tonique et dynamique, 55, 57, il a opéré 350 patients avec ce système-là. Ça a été la naissance de la chirurgie à faire. Alors, le premier cas en Europe a été fait par Dubos, notre traducteur de tout à l'heure que je vous ai parlé, et qui a fait venir une équipe et à Marie Lindon, qui était toute bien. Alors, les oxygénateurs, c'était évidemment le plus difficile. Vous avez les Kenfoss qui avaient un système de ce genre. C'était épouvantable. Il fallait 3 heures pour monter l'oxygénateur, 3 heures. Il fallait 3 litres de sang pour le remplir. Donc, c'était pas très commode. Quelques années après, on a trouvé un système que vous voyez, qui est beaucoup plus simple, qui est l'oxygénateur à bulles, c'est-à-dire que vous envoyez dans le sang des bulles d'oxygène qui peuvent être comme ça, et après il faut mettre un système pour enlever les mousses, et comme ça, ça permettait d'avoir un système plus facile. Voilà, c'est le système qui existait à l'époque, et voilà ce qu'il y a maintenant, la circulation extracorporelle. Vous voyez, tout est dans une boîte, en carton, vous ouvrez, et vous arrivez à ces choses-là. Il faut mettre le tuyau bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, et à l'extrémité, n'importe quelle personne peut faire ça. Donc, vous voyez, le système qu'il a fallu, pour les années qu'il a fallu pour le faire s'appliquer, et voilà, c'est la manière que ça se passe en salle d'opération aussi de la chaîne 50 avec des tuyaux que vous voyez qui prennent ici, qui amènent le sang qui est remporte. Il y a une personne qui est là, qui me surveille pour faire ça. Alors, on a dit à nos valves, en disant que le valve, s'il ne va pas, il faut faire quelque chose, il fallait le changer, il fallait mettre quelque chose à la place qui marche. Et puis, donc, fin 59, fin des années 50, il y avait un jeune chirurgien, donc on a fait son photo quand il était un peu plus âgé, et qui travaillait, qui était un peu dilatant, le marginal, atypique, vous voyez.
Et un jour, qui va avec ses copains pour faire un pot de fête, il demande qu'on lui donne un whisky, il voit que le barman il prend, il fait et puis, il fait un mesureur, ou deux heures, et que ça combien. Pourquoi je n'utiliserais pas ça pour mettre à l'intérieur du cœur? Donc il arrive à fabriquer une cage métallique, à l'intérieur il met une bille, et avec la différence de pression, ça va et ça revient. Il a mis autour de ça une collerette pour pouvoir le coudre sous le patient. Donc ça c'était la première bague artificielle qui a été utilisée à des centaines de milliers de cas à travers le monde. Et quand il a voulu le profiter, parce que c'était quand même un homme qui avait le sens des affaires, il a dit, mais écoutez monsieur, ce système-là on le connaît, c'est pas brevetable. Il n'a pu breveter que la collerette d'insertion. Tout le reste de Naval m'a dit, écoutez, c'est pas brevetable. Donc c'était la seule bague qui existait. Ça donnait de lieu à des royalties conséquentes, suffisamment conséquentes, pour prendre quelques années plus tard. Alors, je vais vous raconter ça plus tard. Alors, à la Blestal avec ça, il avait fait chez les animaux. Il va dans un grand service de chirurgie cardiaque aux États-Unis, il voit le vieux patron et qui dit, écoutez monsieur, j'ai une valve, il faut que vous me preniez comme assistant avec vous, vous verrez que je vais transformer chirurgie cardiaque. Alors il dit, à la porte d'or. Et il va dans un petit service qui va la chose. Et fin 1960, à la Société américaine de chirurgie cardiaque, Alvesta présente 6 cas de remplacement de la valve mitrale. Et ce vieux chirurgien qui était là, qui dit à son assistant, qui est-ce? Il dit, c'est celui que vous avez mis à la porte il y a 2 mois. Ça a commencé comme ça. C'est que de temps en temps dans la vie, quand il y a des gens qui vous font dans ces situations-là, ils vous rendent beaucoup plus de service qu'à l'inverse qu'on fait imaginer. Et puis, on était à Royalty. C'est que quelques années plus tard, M. Starr a voulu changer de femme. Donc, vous connaissez le système américain, il faut partager. Et la femme lui a dit, moi, ce que je veux, c'est le royalty de la valve. Alors, lui a dit, écoutez, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, enfin, quoi. Donc, elle a obtenu la royalty de la valve. Un an après, on avait fabriqué une autre valve, et cette valve, personne n'utilisait. Donc, elle a tout perdu, et le mari, et le royalty. Alors, à côté de ça, il y a des gens qui ont dit, au lieu de mettre du ferraille et du plastique, est-ce qu'il ne faut pas mettre des choses biologiques? Donc, on a commencé à utiliser les homogrèces, et comme des valves prélevées chez d'autres êtres humains. Actuellement, les valves qu'on n'utilise plus, ce n'est plus les valves, c'est celles-là qui sont venues et qui ont complètement détrôné les valves de Starr. Et puis, parmi les valves, on a vu que d'aller chercher des, sous des cadavres humains des valves, ce n'était pas commode. Donc, on utilise des valves qui proviennent des animaux, c'est soit du cochon, soit du veau. Et voilà, c'est ce que vous voyez, les différentes valves avec des indications propres qui sont là. Et puis après ça, on a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire, de nouveau réparer les valves, en particulier au niveau de la valve mitrale quand il y a une fuite. Et c'est le premier a été fait par un chirurgien qui s'appelait Macoun, mais c'est Carpentier qui a eu le mérite de codifier ce genre d'intervention. La chirurgie d'aorte, nous revenons à notre Dubus, ce traducteur qui est rentré en 1952. Mais Dubus, il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il n'a rien inventé, mais il avait le flair. Ça va, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est qu'en 1951, il y avait un autre chirurgien qui s'appelait Oudo, qui avait déjà changé pour l'aorte bouchée et l'aorte abdominale. Il avait enlevé l'aorte, il avait mis une homogrète. Et Dubus a imité ça, il a mis sa colonne électrique, et à partir de ça, d'ailleurs cette opération dans le monde, c'est en fait l'opération de Dubus. Et de Baté Coulé, les Iraniens le connaissent parce que tout ça, ils allaient à Houston pour se faire opérer par ces gens-là qui ont développé cette chirurgie. Voilà. Et puis, donc on a vu les valves, on a vu l'aorte et la chirurgie des coronaires. Les premières tentatives ont été faites par M. Weinberg, qui, ne sachant pas comment ça se passait, les gens qui avaient dans l'angine de poitrine, il disait, je prends l'artère mammaire et je le mets, et je fais un trou dans l'épaisseur du cœur, je passe cette artère, je laisse quelques collatérales saigner, et à ce moment-là, il y a du sang qui arrive au cœur, et que ça va aller.
Vous imaginez, possédait pas ce qu'il fallait et ça n'a pas